Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce sera une nouvelle vidéo cuisine cette fois-ci. Je vais vous faire des chouquettes avec mon compagnon. Voilà, je trouve que c'est sympa l'idée de vous le présenter en faisant une vidéo cuisine. Et suite à un commentaire très agréable d'une personne, voilà, je souhaitais faire une petite vidéo cuisine pour remercier en même temps cette personne. Donc voilà, en sachant, j'ai choisi les chouquettes. Pourquoi les chouquettes? Parce que c'est une des recettes un peu difficiles entre guillemets, hein. Je dis bien entre guillemets parce que quand on la connaît, quand on sait la faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je me souviens d'avoir loupé 3-4 fois avant d'avoir réussi. Et je me souviens d'avoir loupé ces 3-4 fois la veille de mon pack, c'est la veille où je devais faire ma pièce montée et que j'ai jamais réussi à les faire là-dedans. J'ai réussi quoi, quand j'ai réessayé 2-3 jours après, je me suis dit c'est pas possible que j'y arrive pas, je suis pas plus con qu'une autre, entre guillemets, et puis j'arrive à la casserole, pourquoi j'y arriverais pas dans mon compagnon? Et tout simplement parce que bah, déjà j'utilise des. Mes poules font des œufs de calibre très très gros et au final j'en mettais. Enfin, ça dépend des fois, elles en font des gros, des fois des petits. Et en fait, je me souviens que j'en mettais des gros parce que je me disais plus il y a de l'œuf, plus c'est meilleur. Or, la pâte à choux, si on la laisse pas bien sécher entre deux œufs, enfin c'est. C'est loupé. Pareil pour l'eau, au début de la recette, il demande 25 centilitres d'eau. Je mets toujours 20 centilitres et comme ça me permet de mieux y arriver. Pourquoi? J'en sais rien. Il y en a qui arriveront avec la recette extrêmement bien marquée au gramme près. Il y en a que, comme moi, ça ne marche pas. Donc, je ne cherche pas à savoir pourquoi. Tout simplement, tant que j'arrive à manger mes chouquettes, je m'en fous. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Au niveau du compagnon, on va utiliser la lame pétrière concassée. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, attention à vos doigts, vraiment, vraiment attention. Celle-là, encore ça va, mais bon, elle coupe quand même pas mal. Donc là, il me demande de faire préchauffer mon four. C'est ce que j'ai déjà fait, parce que oui, c'est déjà la troisième fois que j'essaie de faire la vidéo, donc j'ai pris un peu d'avance, donc voilà. Et il demande de mettre le beurre et l'eau à l'intérieur du compagnon. Donc mon beurre, je le coupe toujours en petits morceaux, comme ça, parce que sinon, à la fin, bah, il n'est pas assez mélangé à l'eau, il n'est pas... c'est pas top. Donc j'ai pris cette petite astuce de mélanger. Donc voilà, je mets mon beurre. J'ai pris 20 centilitres d'eau. Je mets dedans. Voilà. J'enlève le bouchon. Je ne mets pas le bouchon. Ce qui va permettre à l'eau de s'évaporer. Et c'est comme ça que j'y arrive. Sinon, c'est trop, trop liquide. Et ça ne marche pas. Il y a trop de liquide, ça ne marche pas du tout. Donc là, il me demande d'allumer le robot. De mettre en vitesse 3, 90 degrés. 8 minutes. Hop. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser pendant les 8 minutes regarder la vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça va mélanger comme ça pendant 8 minutes. Enfin maintenant, 7 minutes et 48 secondes. En attendant, je vais préparer le repas de ce soir qui sera un gain de temps et un gain d'énergie. Pourquoi un gain de temps? Parce que tout simplement, je vais le préparer ce soir. On a rendez-vous à 18h30, donc le temps qu'on rentre et tout, si je dois faire à manger, c'est juste pas possible. On va manger à point d'heure. Et vu qu'on aime bien manger à des heures fixes, bon, ce soir, ce sera pas possible. Mais voilà, au moins, ce sera prêt. C'est un plat qui est assez rapide à faire en plus. Ça prend vraiment pas de temps. Et pourquoi un gain d'énergie? Parce que j'ai utilisé ma grande plaque. Si vous voyez, j'ai un grand four et je superpose mes plaques. Et je vais venir mettre mon plat de ce soir avec. Comme ça, pendant la cuisson de mes chouquettes, mon petit gratin de quenelle va cuire en même temps. Donc ce soir, au menu, c'est quenelle à la tomate avec des haricots verts. Donc voilà. Tout simplement, vous prenez vos boîtes de tomates. Donc moi, c'est les boîtes de mon potager. Hein. Vous voyez, c'est mon concassé de tomates à l'oignon de septembre 2016. Parce que je fais mon potager et je suis quasi autonome au niveau de mes légumes. Hop, espérons que je ne le tâche pas. Donc voilà, je mets toujours une boîte comme ça au fond pour pas que mes quenelles soient sèches, pour pas qu'elles collent au fond du plat. Parce qu'il m'est arrivé au début de me faire avoir, donc mes quenelles avaient collé au fond du plat. Donc tout simplement, je mets mon concassé de tomates, ensuite je mets mes quenelles. Donc j'ai pris les Lustu Cru format familial, nature, parce que je les trouve tout simplement bonnes et niveau prix, c'est... C'est une des moins chères, mais au niveau qualité, elles sont bien. Ouais. Hop, donc vous voyez, ça fait comme ceci. Donc vous voyez, dessous, il y a la tomate et dessus, il y a le concassé. En même temps, j'ai mon robot
Il continue d'avancer. Il me reste 1 minute et 32 secondes. Attention avant que ça sonne. Donc voilà. Je prends ma deuxième boîte de compressés de tomates. Donc celle-là, c'est à l'oignon. Hop, parce que j'en ai fait au basilic, j'en ai fait. J'en ai fait à plein de choses en fait. Hop. Donc d'ailleurs, je m'excuse, cette vidéo va arriver avant celle du potager parce que tout simplement, je n'ai pas encore eu le temps de vous la faire et j'étais en plein désherbage de mon jardin. J'en suis à ma deuxième brouette énorme. C'est juste énorme. Donc voilà. Ensuite, je recouvre de gruyère. Alors, je ne sèle pas et je ne poivre pas parce que mon mari va repoivrer forcément dans son assiette. Il adore ça. Donc, je ne poivre pas et je ne mets pas de sel parce que je préfère cuisiner sans sel. Voilà, c'est la nature, le goût naturel des aliments. Après, moi, j'aime bien, c'est salé, c'est mes frites et mes pâtes. Or, ça, d'ailleurs, j'en mets vraiment trop. Donc, ça compense vraiment toutes les fois où j'aurais mis du sel. Donc, voilà. Mon repas est déjà prêt, entre guillemets. J'aurais juste à faire chauffer mes haricots verts. Je vais juste les mettre là parce que sinon, ça va me gêner pour le moulage. Donc voilà, ça va sonner dans 10 secondes. Donc je vais avancer le compagnon. Tout à l'heure, dans la recette, dans la première ligne, il disait de mettre du sel. Je ne vous l'ai pas dit parce que moi, je l'ai mélangé à ma farine, tout simplement. Et bah voilà, ça sonne. Voilà, j'ai mélangé mon sel à ma farine et dans la recette, je rajoute toujours du sucre. Quand je fais des choux à la crème pâtissière, non, je ne rajoute pas de sucre parce que la crème pâtissière va venir apporter un goût. Quand c'est que des chouquettes, je les trouve un peu fades et vu que les perles de sucre, elles tombent en général ou il n'y en a pas beaucoup, je trouve qu'il en manque. Donc, je rajoute toujours 30 grammes de sucre. Donc, voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, maintenant, je dois mettre la farine et je dois mélanger en vitesse 6 pendant 2 minutes. Donc, voilà. Donc, j'ai mis ma farine, je rajoute mon sucre. Voilà. Alors, je prépare toujours mes ingrédients à l'avance. Ça permet de se rendre compte si on a oublié quelque chose. Tout simplement, voilà, je peux positionner mes bols, je vais positionner tout ça. Et je vais voir que mes bols, il y en a peut-être un que j'ai oublié d'utiliser. Donc, je vais me rendre compte que j'ai oublié un ingrédient. Hop, c'est parti pendant 2 minutes. Donc, vous voyez là, en vitesse 6, ça tourne un peu plus vite. Je vais préparer tout de suite mes œufs. Alors, dans la recette, ils disent tout simplement... Alors, ça, c'est ceux de cette semaine. Donc, non, je vais utiliser les anciens. Ils disent d'enlever la pâte pour faire refroidir le bol, pour le laver. Enfin, faut le laver pour faire refroidir le bol. Je ne l'ai jamais fait. Parce qu'au début, je le faisais, ça loupait quand même. Alors, voilà, après, je me suis dit, je vais essayer ma recette adaptée à ma façon et ça n'a pas loupé. Donc, voilà. Donc, moi, je ne lave pas, je ne fais rien. Je vais juste rajouter... mes œufs au fur et à mesure. Hop, j'ai perdu ma boîte à coquilles d'œufs qui est là. Voilà, parce que je garde mes coquilles d'œufs pour mon potager, car c'est un excellent répulsif à limaces et c'est complètement écologique et pas produit chimique, pas tout ça, en sachant que ça vient de mes poules et que je les nourris avec des bons produits. Donc voilà, 50 secondes. Ensuite, ils me disent, je lis en même temps parce que je ne la connais pas par cœur. Voilà, de laver le bol, de remettre la pâte dans le robot avec le couteau. Voilà, bon, ça je le fais pas moi, régler le robot en vitesse 6 et ajouter les œufs un par un. Donc moi, vu que ce sont les œufs de mes poules, entre guillemets, et que des fois les coquines font des œufs, bah, ça arrivait qu'un des œufs soit plus bon. Donc je les casse à l'avance et je les mets dans un verre et je viens toujours sentir l'œuf. Alors c'était un toc peut-être, parce qu'une fois je me suis fait avoir et peut-être que voilà, après l'œuf, est-ce qu'elle l'avait pondu il y a bien longtemps, je sais pas du tout. Au début c'était pas top au niveau organisation des poules on va dire. Donc voilà. Vous voyez, alors je vais vous montrer. Voilà, ça fait une bonne pâte. Voilà, ça fait des... Bah voilà, je vous montre comme ça. Voilà. Ça fait une bonne pâte. Alors, au niveau des œufs, avec le compagnon, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le couvercle pour insérer les œufs. Donc, vous mettez un œuf et vous faites en vitesse 6. Vous regardez, là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de timing. Je vais juste préparer mon œuf pour après. Hop là.
Voilà, vous regardez en fait. Il faut tout simplement que l'œuf soit complètement incorporé à la pâte. Et là, vous voyez, il reste encore des grumeaux, donc elle est encore très très sèche, donc il va falloir quand même rajouter des œufs. Dans la recette, ils disent 4 œufs. Après, ça dépend de votre gabarit de l'œuf. S'il est gros, s'il a beaucoup de blanc ou pas, ça ira pas. Là, l'œuf est complètement incorporé. Je rajoute le deuxième. Donc, vous voyez, il y a à peu près 30 secondes entre chaque œuf, le temps que ça l'incorpore. Hop. Je vais rajouter un troisième œuf sur obligatoire. C'est encore très collant, c'est pas très. Elle est pas homogène, elle est pas vraiment belle, on va dire. Je vais vous montrer l'aspect que ça, qu'il faut que ça. Je rajoute mon troisième. Et là, je vais attendre par contre avant de casser mon quatrième, puisque je voudrais voir la consistance de ma pâte, voir comment elle est. Donc là j'éteins, hop, je soulève, je vous montre. Vous voyez là c'est avec 3 œufs. Et je, tout simplement pour savoir, je vais venir prendre une spatule. Et elle est très très collante. Donc je pense que je pourrai en rajouter un quatrième. Mais un petit. Donc il va falloir que je choisisse dans mes œufs de mes poules un petit quatrième. Hop, on va poser la spatule là. Alors, un petit. Oui, celui-là, il est petit. Hop. Et c'est reparti. Ensuite, pour la pâte à choux, normalement, pour l'étaler, vous pouvez prendre... Enfin, du normalement. Vous faites bien ce que vous voulez. Il y a du normal, du pas normal. C'est comme on a envie. Vous pouvez prendre 2 cuillères. Donc, vous prenez une cuillère de pâte à choux et vous venez avec la deuxième. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Parce que des fois, on dit des mots et on croit qu'on se faire comprendre, c'est pas du tout le cas. Donc vous prenez une cuillère de pâte à choux et avec la deuxième, vous venez faire tomber tout simplement le chou. J'aime pas trop cette méthode, je trouve ça long, ça colle, j'aime pas trop. Donc j'utilise la poche à douille de Tupperware, pardon. Parce que je travaillais chez Tupperware, donc il me reste pas mal de Tupperware. Et j'avoue que je l'aime beaucoup celle-là. Ah là, la pâte, à quoi elle doit ressembler, vous voyez? Elle est vraiment belle, elle est toute, toute lisse, elle est... Elle est même très bonne. C'est parfait ça. Donc voilà, au niveau de la poche à douille Tupperware, il y a une petite astuce. Normalement, le dessus de la poche à douille, les termes, je les connais pas, ça sera les trucs, les bidules et les chouettes avec moi. Voilà, normalement ça se met comme ça. Or, si vous le mettez comme ça, il vous reste toujours... un morceau de pâte assez conséquent quand même, ça fait beaucoup de gaspillage. Et vous me connaissez peut-être un petit peu maintenant, niveau gaspillage, j'ai horreur de ça. Donc en fait, tout simplement, il y a une astuce de la monter à l'envers. Et avec le rebord ici, il va venir appuyer au maximum sur le côté. Donc ça va super bien. Donc tout simplement, je mets mon... Voilà, mon petit bouchon. J'éteins toujours mon rebord. Voilà, et je vais venir chercher ma pâte pour la mettre dans ma poche à douille. Vous voyez, elle est magnifique. Elle fait un petit rideau comme ça, ça veut dire qu'elle est parfaite. Hop. Oh. Alors, niveau cuisine, en général, j'arrive à travailler proprement. Il m'arrive souvent de faire des boulettes, des choses comme ça... La dernière fois, j'ai posé mes œufs sur le bord du plan de travail. Bien sûr, des œufs, ça roule pas, tout le monde le sait. Et je me suis retrouvée avec une belle omelette par terre et un bébé de 14 mois qui est arrivé en courant pour jouer avec. Donc voilà, il m'arrive aussi de faire des catastrophes. Hop. Donc je remplis ma poche à douille. Alors je ne sais pas si ça va tout tenir sur ma plaque. Parce que ça dépend des fois comment je fais mes choux ou pas, s'ils sont gros. Et donc je sais pas si ça va tout tenir. Donc je vais vous montrer comment je fonctionne. Je vais vous avancer. Voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. Donc là j'utilise au niveau de la douille, voilà le gros format. Tac. Et je viens tout simplement... rempli
dire, donc oui, c'est sur mes plaques à macarons, je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, vu que je fais des montages, des coupages, voilà, c'est sur ma plaque à macarons, ça me permet de mettre à peu près la même taille à chaque fois, et de les dispatcher correctement, parce que sinon honnêtement j'en mets un peu partout, et j'en mets moins au niveau quantité sur ma plaque, et c'est pas top. Là ils ont la même taille à peu près, donc ça me permet de m'entraîner en même temps aujourd'hui pour le baptême de mon fils, qui est bientôt d'ailleurs, ça arrive à grands pas, pour faire sa pièce montée, puisque je vais faire sa pièce montée. Un petit défi, je me suis lancée. Au final, le nombre d'invités continue d'augmenter, c'est juste super. Je vais me retrouver avec une pièce montée énorme. Pour l'instant, nous sommes 59 pour le baptême. Alors voilà, petit souci, voilà, hop, oh si j'aurais largement la place. Donc petite astuce pour le sucre perlé, normalement il faut le prendre et le mettre comme ça, sauf qu'à chaque fois il y en a toujours à gauche, à droite, donc j'utilise tout simplement un petit récipient comme ça. Je viens poser au-dessus et je pose mon sucre perlé comme ça. Comme ça, il reste quasi la totalité dessus. Hop là. J'espère que monsieur le prêtre... content de mes chouquettes. Je les goûterai avant, bien sûr. Hop là. Moi, je vais continuer la suite en arrêtant la vidéo parce que vous n'allez pas regarder non plus la même chose pendant 107 ans. Vous, comme moi, nous avons des choses à faire. Hop. Et sinon, la vidéo va durer trop longtemps et au bout d'un moment, vous allez vous lasser tellement je suis géniale. Et vous voyez, tellement je suis géniale, j'en ai loupé un. Bien sûr, hein, c'est une blague, je le dis, hein, qu'il n'y ait pas de critique. Je suis comme ça, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer la fin de la cuisson, à la fin de la cuisson. Et puis voilà. Donc au niveau de la cuisson, il faut les mettre pendant 25 minutes, 30 minutes à 180 degrés. Moi, je vais les mettre que 22 minutes parce que c'est un four à chaleur tournante et c'est un four qui est assez puissant. Donc au fur et à mesure des expériences, j'ai su à peu près combien de temps. Voilà, ça dépend des fours. Si vous avez un four basique au gaz, ça va mettre beaucoup plus de temps. Moi, il est électrique, mon four. Et ben voilà, mes chouquettes sont prêtes. Voici le résultat. Avec mon petit plat, bien sûr, que j'ai fait chauffer en même temps. Et je pense qu'elles sont testées et approuvées. Tu dis bonjour ? Bonjour! Tu manges du gâteau? Oui! Tu dis au revoir à la caméra? Au revoir! Mais qu'est-ce que je raconte moi? Non, papa, c'est maman là! Là, il se voit, c'est pour ça qu'il dit ça! C'est Logan!